Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Je vous retrouve sur une vidéo de Star Citizen. Mais avant toute chose, les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, vous êtes encore 80% des personnes à regarder ces vidéos et à ne pas être abonné. Donc s'il vous plaît, ce sera un gros coup de pouce que vous ferez à la chaîne en vous abonnant. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et n'oubliez surtout pas de like la vidéo, c'est très important. Les amis, du coup, on se retrouve dans une vidéo où vous voyez des petites pièces derrière moi. Vous dites, ah, l'équipement, ça me rappelle un peu peut-être cette vidéo. Du coup, non, c'est pas l'équipement. C'est pour du minage. Mais avant de vous parler du minage, les amis, j'aimerais vous parler des deux Discord qui sont à votre disposition dans la description. Donc, un Discord de la communauté, donc le Discord NLJ8. Donc, c'est là où on essaie de construire une petite communauté autour du multigaming et bien d'autres choses par le futur. Donc si vous souhaitez intégrer cette communauté, vous êtes les bienvenus, tout le monde est les bienvenus. Voilà, si vous voulez aider à participer au développement de cette communauté, ça serait super cool de votre part. Deuxième Discord, le Discord de la corporation de la DG Team sur Star Citizen. Donc c'est une corporation où on a pour ambition d'aller de faire les choses bien et très hautes. Donc on demande des gens aux gens d'être sérieux et simplement pas faire les cons. Enfin, on peut rigoler de ça, mais en tout cas, on demande de l'exigence par rapport aux attentes dans Star Citizen. Donc c'est pas en fait d'avoir un niveau très bas qui est demandé, c'est juste que on demande aux gens de s'investir dans la corpo. Voilà, c'est peut-être plus adéquate comme phrase que dire de l'exigence. On demande juste que les gens s'investissent au sein de la corporation. Voilà, on recrute, que vous soyez nouveau ou vétéran, que vous soyez solo ou en groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous accueillera les bras ouverts. Dans la description aussi, en bas de la description, il y a mon code de parrainage pour tous les nouveaux comptes RSI, n'hésitez pas à le mettre. Voilà, ça vous fait gagner 5000 AEC en plus de ce que vous gagnerez en vous connectant sur le jeu. Donc c'est pas, ça mange pas de pain, et un grand merci à tous ceux qu'ils feront en créant leur compte. Petite parenthèse avant que je reprenne la suite. Je recommence les lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir en masse. Le lien est toujours dans la description. Donc je compte sur vous pour venir vous abonner et venir nous faire un petit coucou en live quand je serai. Voilà les amis. Donc pour la vidéo du minage. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux petites caisses de 8 SEU, donc on ne va pas les remplir, hein, je vais pas vous mentir. Donc là, j'ai fait le test, pour ceux qui ont regardé l'équipement, au cas où. Là, du coup, ça, le stuff comme ça rentre bien dans les caisses, donc c'est une bonne chose. Donc, nous, on va se situer où dans le minage? Donc, le minage, la carte, on a décidé de sur Kurd Or. Donc, vous allez voir, dès que vous allez arriver sur Kurd Or, il y a une petite, une grosse grotte, ou une grosse grotte parce que un corsaire ça rentre pas dans n'importe quoi, où vous pourrez venir vous stationner. D'accord? Vous pouvez descendre et venir en bas de la grotte pour vous poser. Donc là, merci, un grand merci à Arty qui va nous faire un petit commun durant cette vidéo de minage. Pour l'équipement. L'équipement, il vous faut absolument un multi-tool avec un. Donc, j'ai fait exprès d'en prendre un à part pour vous montrer en fait qu'il faut le mettre sur le tractor beam. Sur le tractor beam. Sur le. Sur multi-tool, pardon. Donc, il vous faut absolument ça pour pouvoir miner. D'accord? Donc, bon, je vous montrerai de toute façon tout à l'heure en minant. Mais il vous faut au minimum multi-tool et module pour le minage. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un 5 aussi, parce que voilà, pour faire des allers-retours entre la box et le... J'ai cru entendre des bruits de pas, ça me... Ça me perturbe, je vais rester comme ça. Donc oui, il vous faut quand même un minimum un sac pour pouvoir mettre les minerais dedans. Et même, pourquoi pas, une bouteille, enfin des bouteilles d'eau. De toute façon, il vous en faut pour... bon, si vous restez longtemps dans la mine ou pas, parce que voilà, ça dépend de combien de temps vous voulez rester. Si vous voulez rester 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, vous pourrez totalement à faire juste attention qu'un mec ne vienne pas vous voler vos marchandises. Voilà, c'est juste le petit bémol où il faut faire vraiment attention. Donc bah, écoutez les amis, on se retrouve tout de suite avec Arty dans la grotte. Il y a le copain dans la main, copain. Le bruit qu'elles font. Mais tu sais qu'elle passera pas à des endroits, c'est sûr.
Eh si, arrête de faire chier. Non, parce qu'il y a des moments où t'es obligé de... Bah là par exemple... Ta gueule, je te dis, là, ça va passer là. Attends, là par exemple... Eh si, ça passe là. Alors on n'aurait pas été très loin. Hein. Attends, mais on peut pas aller plus loin? Bah si, nous on peut y aller allongé. Oh mais non, mais mec, t'es sérieux là? T'as pris un sac lourd? Oui. Ouais, bah c'est bon alors. Allez, là, bouge ton cul là, je sens... Ah là, ça pue en plus là, oh. En train de te péter dessus, mon ref. Tu pourrais pas te laver ton cul un peu, sans déconner. Ah non, je me suis chié dans la combinaison, gros. Avance là, allez là. Regarde, t'as vu la petite lumière à droite là? Ouais. Je voulais la prendre, j'ai pas pu. Je suis dégoûté. Allez, je me trouve trop belle cette grotte, n'empêche. Bon. Ouais. Comme toutes les vieilles grottes, hein. Elle est si vieille que ça, celle-là? Bah c'est... Alors c'est... Non, elle est pas si vieille que ça, mais c'est les... C'est encore les assets des premières grottes. Des premières grottes. Alors, qu'est-ce qu'on a là, là? Là, on a rien. Bah si, là-bas, on a des trucs, là. Putain, mais allez. Genre, ce qui me tire de chat, on est en train de faire des guillis, putain. Marche pas, mon... Il est bugué mon multitool. Non, c'est parce que c'est le serveur lag. Non, dis-moi pas qu'il y a une 30K. Ah. Non. Non, peut-être pas ce minage, hein. Le fun, mesdames, messieurs, le fun. Bah, tu te connais, il y en a qui adorent ça, hein. Oui, dans Star Citizen, faudra pas juste aller miner, et attendre, machin. Bah, en soi, le minage, c'est pas ce qui rapporte le plus. Donc là, ce que tu viens de dire, c'est erroné de ouf. Et surtout qu'il y en a pas beaucoup qui en font. Il y en a qui sont intéressés par ça, mais allez. Et wesh, là, moi aussi, ils viennent descendre d'un coup. Oula, oula. Après, je te dis que le serveur, il est en train de canner, gros, c'est pas une blague, hein. Tu sais comment ramasser rapidement avec le multitool? Non. T'appuies sur B. Et ça, t'auras pas besoin de les ramasser à la main. Tiens, de me prendre quelque chose. Mais tu vois, dans cette vidéo, t'auras appris quelque chose. Comme vous les amis d'ailleurs. Mais comment ai-je fait pour ne pas jouer à ce jeu sans savoir? Il y en a qui ont le skill, d'autres non, quoi. Je redécouvre Star Citizen, c'est vraiment game changer. Il est insupportable, ces gars. Non, mais mec, des grosses barres. De toutes les vidéos que je regarde là en ce moment de la des mises à jour, mais mec. Tout est game changer, c'est, ok. C'est ce que j'allais dire. Tout est game changer. Depuis le, ça fait 5 mises à jour que c'est game changer le. Mais le jeu ne change pas. C'est bizarre. Oui. Il y en a, ils sucent le filon. Oula. Ouais, c'était Rada qui a commencé à mettre cette mode là du hey, game changer. Oh putain, merde. Alors je sais pas si c'était Rada. Oh, toi t'as dû te faire éclater. Ah, t'inquiète, tout va bien. Je sais pas si c'était lui qui a fait cette mode là, mais. Là où j'ai commencé vraiment à l'entendre, c'est lui, hein. Mais il y a beaucoup de petits youtubeurs, outre moi, parce que moi, je ne fais pas de vidéo d'actu. Qui, chaque vidéo qui sort, c'est game changer. Ah oui, c'est. Là, les hangars instanciers qui arrivent, là, c'est vraiment game changer, hein, vraiment. Ça va changer complètement notre manière de jouer à Star Citizen. Ce qui me tue, c'est que t'entends des... Waouh. T'entends des... ça va être insane, la 3.23 points. Il y aura pas de 3.24. Oui. La vidéo d'après, tu vois, la 3.24 bientôt. Oui. Ah non, ça, je l'ai vu ça aussi là, non mais n'importe quoi. Moi j'adore ça, gros, voir les vidéos comme ça. Dernière mise à jour 3.x, après on passe en 4.0, c'est game changer, hop 3.24, fermez vos gueules. Et en plus, non mais c'est qu'ils osent sur une vidéo derrière en mode nice, la 3.24 elle est bientôt là. Tout le monde l'attendait.
C'est pas bien, on respecte nos, mes confrères youtubeurs. Oh ouais, paye tes confrères. Hein. Oh. Non. Pour certains, non. D'autres, oui, parce qu'ils font quand même de très belles vidéos. Oh, mais quand même, enfin, genre... Donc, alt molette pour monter la vitesse de... Enfin, pour augmenter la... Non, mais quand même, quand même, quand même, s'il te plaît. Pour, je le dis pour la vidéo, c'est pas pour toi, d'accord. Monsieur, ça ne tombe pas. Mais les prends pas pour des cons. Ils savent très bien que c'est alt molette. Bah non, les nouveaux joueurs, ils me disent tout le temps merci. Eh, mon pote. Ah, d'accord, bon, bah... Voilà, on t'emmène ta grande gueule, là. Alors, si jamais, pour les nouveaux joueurs, il y a aussi un autre truc qui marche bien, c'est Alt F4. Ah. Je troll, je troll. Il est un... Pourquoi j'aurais dû la faire tout seul, cette vidéo, elle était bien, hein. Oh là 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 là. Ah, mais tu joues avec un pirate, c'est pas ma faute. Non, mais ça a rien à voir. Ça a complètement rien à voir. Comment ça, pirate ne rime pas avec enculé? Ah non, non, tu l'as bien inventé, ta pirate, je te rassure. Ah ok, d'accord, ok, bah autant pour moi. Putain. Bon, allez, objectif, c'est faire 10 millions d'AUC, c'est parti. Oui, oui. J'allais te le dire, oui. Bien sûr. Alors, et ça se trouve, on le sait pas, mais les prix ont changé, gros, et ça rapporte plus qu'avant. Je saurais. Hein? On le saurait, non? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du minage, hein. Encore moins dans les grottes. T'arrêtes de casser tous les cailloux, notre belle nature, là, t'as rien fait? Si, ça va. Excusez-moi de vouloir me faire de l'argent. C'est pas que j'ai 20 millions sur mon compte, que je suis rassasié. J'aurais été à dire autre chose. T'es mal, je laisse des petits... Tu vois les traits rouges que je laisse partout au niveau des cailloux? Regarde. Non, non, je les vois, non. Tu verras sur la vidéo, gros, tous les cailloux que j'ai fait, il y a un petit trait rouge qui marque mon passage. Eh, hey, des... Hein? Bon. Attends, j'ai fait un caillou, là. Oui, j'ai fait un caillou. Oui, donc, avant que Archie m'interrompe... Alt plus la molette, c'est pour gérer la puissance du multitool. Et B, c'est pour ramasser les cailloux comme vous me voyez faire. Moi, c'est une. Il y a autre chose que j'aimerais bien retrouver. C'est quoi? Il y a une combinaison de touches que je connaissais à une époque, je sais plus du tout comment on fait maintenant. C'est pour se caler sur la vitesse quand t'es en vaisseau, en fait. Et ça, c'est trop bien quand tu voles en escadrille. Tu targetes un vaisseau, et t'as une combinaison de touches à faire, et ça te cale sur la vitesse du vaisseau c'est pas, en face. C'est pas que t'as target. C'est pas F8, ça? Peut-être, semble, hein. Il me semble que c'est un truc dans ce genre. C'est qu'une touche, maintenant. Il n'y a pas besoin de faire de combinaison ou je sais trop quoi. Là, c'était une combinaison de 2 ou 3 touches, hein, je crois, avant, pour le ouais, faire. Ouais, ouais, non, mais plus maintenant. Ouais, ça peut être pas mal, tu vois. De toute façon, un jour, j'ai dit que je ferais une vidéo sur tous les tips de Star Citizen. Ah bah non. Tous les tips. Faut pas. Ah pourquoi? Parce que c'est... Aux 100 000 abonnés, je le fais, c'est bon? Voilà. Là, ok. Bon, allez, là, les amis, plus de 999 000. Allez, ça part. Non, faut garder les trucs si vous voulez. Vous savez quoi, si vous voulez des bons tips et tout, moi ce que je vous conseille de faire, c'est créer un compte avec le code parrainage de NLG86 et ensuite de rejoindre la corporation DG Team. Et là, vous aurez des bonnes infos là. Tu vois, là, faudrait peut-être que je l'invite un petit peu plus souvent en vidéo. Bah oui, non mais. Il est vrai! Parce que c'est bien beau de faire des vidéos pour expliquer comment on mine, mais si vous voulez vraiment vous faire des millions. Y a pas 50 000 solutions, hein. Faut passer dans la carte. Ah là, faut venir passer le recrutement, voilà. Monter les échelons. En tant que sous-officier, Artis sera totalement à même de vous inviter à passer les recrutements. De vous commander, oui, de vous commander, bien sûr. Non, pas inviter à passer les recrutements. Tu vas leur faire peur, arrête. Ouais, bien sûr. Pas, nous sommes pas des tyrans. Enfin, pour leur part, en tout cas. Ah
N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Faut pas trop en dévoiler. Faut pas trop en dévoiler. Mais y a du caillou par ici, non? Ouais, et gros, la grotte, elle est pleine d'axes. Je crois que j'ai jamais eu autant de cailloux depuis que je joue à Star. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Tu parlais des haltes-molettes. Mhm. Haltes-molettes, ça te rappelle rien quand on était en prison? Haltes-molettes. Haltes-molettes, quand on voulait miner du caillou. Ça te rappelle rien? Non, ça me rappelle rien. On avait cherché pendant au tout début qu'on avait commencé Star System. Ah si, bah si, oui, si on a, oui. Au tout début, qu'on avait cherché pendant des heures. Bah parce que moi, je me rappelais, j'étais en mode, vas-y, ouais, mais c'est juste molette, mais non, ils avaient changé, ces enculés. Oui, quand la première fois que t'es allé en prison, oui, je me rappelle. Je dis, ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, on va vite sortir, ouais. Tu vas vite sortir, tu fais juste molette, machin, t'inquiète. J'y suis resté, je sais pas combien d'heures. Hop, on va rester 3 heures à chercher la combinaison de touche. Le meilleur moment, gros. Bah, non, l'un des meilleurs moments, c'est quand on a réussi à découvrir comment vraiment on se faisait de la thune sur Star. Je sais pas si je te rappelle avec mon freelancer Max. J'avais été vendre de la gueule et j'avais. Bah, c'est à ce moment-là où j'avais fait, je crois, mon premier acte de piraterie et j'avais pété un mec sur Alter. Ouais, parce que. NLJ, non. Pas de piraterie, là. Au départ, monsieur. Non, au début, je voulais pas trop en faire. J'étais quelqu'un de sympathique. La communauté était sympathique. Et après, c'est NLJ Dark qui a pris le dessus, quoi. Après, t'as pas compris. T'avais pas compris le principe du jeu, je crois. C'est Dark NLJ qui a pris le principe. C'est pas plus compliqué, hein. Tu sais, il y a Dark Sasuke, bah là, il y avait Dark NLJ, hein. Ah ouais, bah là. Ah mais dès que j'ai vu qu'on pouvait se faire des milliers de UEC en attendant sur Terre, j'ai compétitif toute une nuit là-bas. Hein. En fait, moi, je comprends pas les gens qui se font chier à farmer... Bah ouais, mais bah non, si moi, je les comprends, parce que s'ils seraient pas là, nous, on pourrait pas avoir de la chine derrière. Ouais, c'est vrai que bon, effectivement, ils seraient pas là. Continuez, les gars. Et vous savez quoi, si vous voulez pas rejoindre la DG Team, il y a aussi une autre solution pour se faire énormément d'argent. Et celle-là, c'est petit type gratuit, c'est comme ça, ça fait plaisir. C'est de me faire un paiement PayPal de 120€. Ouais, alors il y a ça, mais ça, c'est pas obligatoire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous prenez le plus gros vaisseau du jeu que vous pouvez acheter avec vos sous. Et en fait, ce que vous faites que des allers-retours entre la drogue et le point d'achat, point de vente. Et vous inquiétez pas, c'est ceux qui disent qu'il y a des pirates et tout, c'est mytho, c'est... Mais tu leur mens totalement. Non. Bah, faut bien leur expliquer comment on se fait des sous. Si on leur explique pas, comment enrichir la population, c'est pas comme ça que ça se passe. Bah non, parce que pour qu'ils fassent ça, faut qu'ils aient un minimum de pognon pour acheter de la drogue. Mais non, mettez toutes vos économies, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis en train de me faire attaquer le pied, wesh. Ouais, c'est Joe là, qui m'a fait marrer quand j'ai eu son message là. Joe la douille. Ah. je ramène mes potos machin et tout. J'aurais fait créer le compte avec le code parrainage. C'est bien. Et du coup, en plus, c'est même pas parce que son pote qui l'a ramené, il a même pas utilisé mon. Enfin, il a pas pu utiliser mon code parrainage. Oh. Parce qu'il avait déjà créé son compte avant, du coup. Hein. Il avait déjà créé son compte avant. Hein. Ça, c'est nul. Mais t'en es où dans les codes parrainage d'ailleurs là? C'est à quand l'Idriss? On a un petit peu de temps avant ça. Ah ouais? C'est combien l'Idriss pour l'avoir? L'Idriss, c'est un max, c'est le dernier level. Non, c'est le Javelin, le dernier level. C'est le Javelin, le dernier level? Là gros, je suis à 10 codes parrainage, calmons-nous. Ah, 10, t'as quoi? T'as un petit vaisseau, non? Ils t'ont pas filé un petit truc en plus? C'est les trucs en or. Après, il y en a certains qui ont pas acheté encore le jeu, ils ont mis mon code parrainage sur leur compte.
Mais pas encore acheté le jeu, ils sont pas laissés tenter quoi. Ça c'est grave comme situation. Les amis, parce qu'on a peut-être une. Bah non, mais c'est en fait. Bah non, il m'a juste carjack mon vaisseau. Mais les cons, il avait rien dedans. C'est carjack ton vaisseau? Ouais, mais il avait rien dedans. Il est complètement teubé. Bah peut-être qu'il nous attend à la sortie, hein. Tu penses? Je sais pas. Est-ce que tu peux pas prendre son freelancer lui? Non, il est trop. Non, son vaisseau là. Ouais. Tu peux essayer de monter directement la canopée. Hein. Vas-y. Ça va être chaud. Merde, oh, putain, je suis tombé. Putain. Je peux pas essayer de mettre un petit coup sur sa porte arrière là pour qu'il baisse du cul. Si si ouais je vais faire ça, attends. Deux minutes. Hop. Ah quoique, non c'est bon. C'est bon. Vas-y bah tu sors en premier, tu te check. Mahmed Kill qui a pris mon vaisseau. Est-ce qu'il a parlé? Donc les amis, donc on se retrouve à Horizon pour la vente de nos minerais. Donc on a vendu on a fait un certain nombre de minerais, donc je vais vous les montrer tout de suite. On n'a pas fait beaucoup, mais pas, c'est pas peu non plus. Voilà, on a quand même quelques centaines de minerais à vendre. Donc on va les vendre tout de suite. Donc je sais d'avance que c'est pas quelque chose qui rapporte énorme. D'accord. Bah, 44 000 pour la danite. Voilà. 67 000, donc là 10, les 67, 10K, donc on est à 50 000. Et encore, ça n'a pas tout vendu apparemment. La 8000. Hop. On va revendre les 10000. Échoué. D'accord, ouais. Donc il y a toujours le bug avec l'aphorite qui ne se vend point. D'accord, voilà. Ouais, donc l'aphorite ne se vend toujours pas. Donc au moins, vous êtes au courant. Ne se vend toujours pas. Donc le minage, comme en 3.20, T1.22, même avant, ne rapporte quasiment rien du tout, en tout cas, comme ceci. Si ça vous intéresse de faire du légal, dites-le moi dans les commentaires. J'ai une petite strat pour ceux qui veulent que du légal, qui ne veulent pas se faire chier avec autre chose
que du légal. J'ai une petite technique qui pourrait vous intéresser, donc si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Un petit like, on s'abonne les amis. Et petite vidéo va être un peu longue, mais moi j'espère que vous aimerez ce petit format où on était à deux à rigoler, à se poser des questions. Peut-être que ça arrivera très prochainement sur la chaîne YouTube. Un format dans le même style. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.